mon propos sera centré sur la question des codes couleurs. On nous dit c'est compliqué. C'est pas vrai, ça simplifie. On nous dit c'est une interdiction. Il n'y a aucune interdiction, c'est en réalité une information. On nous dit c'est une infantilisation des consommateurs. Mais alors il faudrait nous dire, Monsieur le Président, pourquoi précisément les associations de consommateurs réclament ces codes couleurs. Nous sommes, il faut être clair et sortir de l'hypocrisie et des faux-semblants. Nous avons ici à choisir entre effectivement défendre la santé publique et les consommateurs ou donner satisfaction à des demandes des lobbies qui, de surcroît, sont des demandes de très court terme parce que leur intérêt n'est qu'à très court terme dans cette absence d'étiquetage. C'est un choix qui doit être clair en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne. Il est tout à fait clair que nous sommes pour cette information des consommateurs qui est réclamée également par les organes de sécurité sociale et le monde de la santé en Europe, précisément parce que c'est un moyen de lutter contre l'obésité et un certain nombre de maladies. Alors ne faiblissons pas, sachons les raisons pour lesquelles nous sommes ici, les raisons pour lesquelles nous avons été élus, c'est pour la défense de nos concitoyens.